Pour le moment, ça va. Hein. Franchement, on remarque sur Twitch, la qualité n'est pas forcément bien meilleure. Allez, ce ballon qui va partir sur le côté du terrain, les amis. Cette fois-ci, le kick-off, on l'a largement gagné. Non, mais la qualité est dégueulasse. C'est pas clean du tout. Attendez, les frérots. C'est une folie. Il est dégueulasse, le feed, frérot. On se fout de notre gueule. Allez, c'est bon. On est bon. On va voir si ça tient cette fois-ci. Ne vous inquiétez pas, on est bon. Voilà, là il est en top qualité. Là, vraiment, on se régale de voir du Rocket League. Allez, Wally qui est parti dans les airs. Zen qui vient le défier instantanément. Zen qui prend le boost et qui... Oh, mes couilles! Wally, Rizzy, Joyo. J'espère que vous avez branché les câbles internet. On est reparti. Oh, le clean feed, mes couilles, oh. On peut le visionner, ce match? Quand le match marche pas, il y a le clean feed, oh. C'est une folie. Je vous mets le match, c'est rien passé. Un peu de son et on est bon. Allez, cette fois-ci, on espère que c'est le bon départ, les amis. Ce ballon qui va revenir dans l'axe. Attention à Radozin qui est passé à côté. Du coup, ça va libérer beaucoup d'espace. Alpha derrière qui va tenir bon en troisième homme sur la ligne. Le fake, mais personne. Ouais, en fait, c'est la webcam de Joyo, hein, les frérots, qui faisait tout bugger, je crois. Il est plus là, il est plus connecté. Alpha qui a tenté le air dribble plein axe. Il s'est fait arrêter, malheureusement pour nous. Radozin qui veut mettre de la pression. Zen aussi qui vient chercher le duel. Mais c'est un ballon qui va être dégagé par les Moist. Attention quand même à cette contre-attaque. La frappe sur la ligne, c'est cadré. Le double commit. On communique, les garçons, comme hier. Vous nous l'avez montré. Vous êtes capables, bien évidemment. Et Zen, il est parti. Il va accélérer ici avec l'aide du sailing sur le backboard. Il essaie de chercher le contre face à Rizzy. Il ne peut pas, malheureusement, pour le moment. Mais en tout cas, voilà, on a essayé tout de suite d'aller mettre un petit peu de vivacité, d'énergie dans cette contre-attaque. Et le très beau travail d'Alpha 54. Est-ce que derrière on peut suivre? Pas pour le moment, j'ai l'impression. Ce ballon qui va revenir plein axe. Alpha dans les airs. Première touche de balle. Alpha qui vient chercher le sailing. La frappe derrière de Radozinho. Et voilà, papy, ça fait 1-0. Là, c'est bien follow. Regardez ce ballon dans les airs. Hop, Alpha qui bat Joyo. Et là, tout de suite, le premier sur le porteur du ballon. Ou sur le ballon tout court même, puisqu'il n'y avait personne d'autre. C'était Radozin. 1-0, les frérots. Let's go, on y va. Allez, attention le kick-off. Toujours un moment délicat. Le clean feed est en train de me rendre fou, les frères. La qualité baisse comme ça. Je sais pas pourquoi. Je vais tenter un truc. La team, je tente un truc. Une dernière chose, sinon on passe en mode viewing party. Parce que là, mon frérot, j'ai l'impression que je dois regarder sur ma Game Boy Color en 2006. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Vous inquiétez pas, je teste un dernier truc. C'est bon, on est de retour. Vous inquiétez pas. Alors si ça tient, j'ai redémarré le navigateur carrément. Oh, le pinch peut-être à venir, c'était bien tenté. Ouais, ouais, on va aller en viewing party prochaine game. On va finir comme ça, tranquillou, il reste 2 minutes. Se concentrer dans ce premier match. Désolé pour ça, j'y suis pour rien, malheureusement. Je suis un peu tributaire de ce qu'on me donne. Le clean feed qui est... Je sais pas, il a des freezes. Alors je sais pas si ça vient de chez moi ou du feed. Peu importe, on est reparti un partout. Les Moist qui sont revenus, vous l'avez vu sur le tableau des scores. Et Alpha qui vient chercher un 50-50. Il est bloqué par Joyo. Oh, mes couilles! Le clean feed. C'est pas possible. Allez, c'est bon. M'a saoulé. C'est bon. On va se mettre comme ça. Hein. Allez. Voilà, au moins la qualité, elle bouge pas ici. On a tout raté. On a tout raté. Frérot. Ah, par contre, les postes techniques, elles étaient en 4K. J'ai pas de soucis sur le clean feed. Bah, je sais pas. Ça vient peut-être de chez moi. Alors, je sais pas la connexion. Je sais pas, les amis. Mais je sais pas. J'ai pas de problème ailleurs. Donc, c'est quand même bizarre. Et en fait, quand je l'ouvre sur un autre navigateur, carrément, il est bugué, les frères. Moi, je suis fibré. On va voir. Pendant la pause du match, je vais tenter des choses, vous inquiétez pas. Pour le moment, on va le suivre de cette manière, le match. Là, on est en temps réel. Allez Wally, il faut pas le laisser jouer ce ballon. Faut pas lui laisser de l'espace. On était un petit peu en difficulté. On est repassé devant. Il reste 30 secondes. Rezi qui voulait faire cette passe en retrait pour son coéquipier. Joyo, sur le côté, c'est Zen qui renvoie cette balle. Il y a encore du joueur bleu présent. Attention, ne laisse pas la possibilité de centrer. Il va y avoir une tentative de frappe. Rizzy qui avait tenté la passe. Heureusement qu'Alpha l'a vu. Et en plus, il a de la ressource. Alpha, il ne peut pas s'envoler avec ce ballon, malheureusement. Wally qui dégage. Rizzy le redirect. C'est cadré. Zen a eu le temps de faire son retour défensif. Mais ce ballon, il va toujours traîner dans notre défense. C'est dangereux. Et ça passe l'égalisation des Moist Esports à 10 secondes de la fin. On va les avoir, les buts qu'on a loupés pendant le break, les amis. Il y a les replays. Il y a les replays. Sur VLC, le clean feed. Ouais, je vais essayer de faire ça pendant la pause. Vous inquiétez pas. Je vais essayer de faire ça, la team. Je m'en occupe. Dès que le match est terminé, je fais tout pour qu'on ait la meilleure qualité, comme toujours ici. Merci à vous, en tout cas, de suivre ce match, cette demi-finale, ici, sur cette chaîne, avec les supporters Vitality.
Bon, on défend mal, effectivement. On n'est pas... Bon, après, c'est la game de chauffe, tranquillou. La journée vient de démarrer. Mais c'est vrai qu'on retrouve un petit peu cette fébrilité défensive qu'on pouvait avoir. Maintenant, c'est de petits réglages. On a réussi à trouver des solutions hier. Il faudrait aller chercher cette première game. Comme ça, voilà. C'est sûr qu'on a fait des erreurs. On se fait un peu punir. Mais on se fait pas complètement punir puisqu'on vient prendre le premier point. Allez, Radozin qui continue. Va me chercher la démolition sur Rizzy. Voilà! Harcèle-le! Mon cher Radozin, va le chercher jusque dans sa cage. Il faut absolument les empêcher de construire leur jeu. Ce ballon qui va revenir sur Joyo qui est parti dans les airs. Joyo sur le côté du terrain. Radozin qui pour le moment n'y va pas. C'est Alpha 54 qui va aller le challenger. À la retombée, il a encore un petit peu de ressources. Il est gêné pour le moment. Il va chercher des démolitions. Radozin qui replonge dans l'axe. Radozin, il y a un joueur qui a été passé face à Rizzy. La frappe peut-être de Zen, il ne peut pas. C'est Alpha qui a tenté de tirer. Et attention, ce ballon, il est dangereux. Zen, il a eu le temps de se tourner. Il a encore pas mal d'espace. Il a pas beaucoup de ressources. Il a pris le flip reset. Il a passé face à Rizzy. Ce ballon qui va dropper, il faut absolument se jeter. Oh, c'est pas possible. Oh, cette petite touche. Cette défense sur la ligne de la part de Rizzy qui nous empêche d'aller chercher l'open. Mais c'est bien. On est en train de mettre de la pression, les amis. Zen qui a fake un premier joueur. Derrière, il part dans les airs. Il en a passé un deuxième. Non, c'est Alpha qui avait récupéré la possession de ce ballon. Radozin qui joue le 50-50. Et pour le moment, on reste dans le camp des Moist eSports. Ils sont en difficulté, les Moist. Mais on n'a pas réussi à être juste dans le dernier geste pour aller chercher ce but en overtime. Zen, un flip reset. Finalement, c'est une frappe directe. Rizzy qui est obligé d'intervenir juste devant sa ligne de but. Radozin dans le corner qui essaie de garder le contrôle. Malheureusement, c'est dégagé. Attention, Zen n'a pas se faire contrer. Il l'avait vu venir. La première touche à l'aide du poteau, à l'aide du mur, pardon. Alpha qui va continuer, essayer d'enchaîner, de garder la pression. Démolition. Les amis, vous l'avez vu, on a un joueur de moins. Et attention, Zen s'est fait passer. Radozin, est-ce qu'il a le temps? Radozin, il s'est fait battre. Et Alpha, il est tout seul. S'il te plaît, la parade de ta vie. Yes! Voilà! La transversale sortante qui est avec nous, les amis. Bien évidemment, les poteaux qui sont avec nous. On veut. Et ça rentre, ça? Non. Il y aura le retour de Joyo. Petite frayeur sur une démolition. Hein. Vous l'avez vu, ça peut aller très vite. Une phase de possession, une phase de pression. Et derrière, il suffit d'une démolition pour que tiens un open. On va devoir rester concentré. Radozin qui essaie de remettre directement sur Alpha. Il est passé à côté du ballon. Il cherche les démolitions. Il ne les obtient pas. Ça a quand même ralenti la construction de jeu, du jeu pardon, des Moist eSports. Cette balle qui revient dans l'axe. Il faut être premier. Radozin, bon travail. Alpha qui tente le tir, ça ne sera pas cadré. En plus de ça, ça ne surprendra personne. Il s'y attendait dans la défense des Moist. Zen qui continue de travailler. On est toujours quand même en grande partie dans leur camp. Mais vous le voyez, sur les contre-attaques, c'est dangereux. Et là, il reste pas grand monde. Quel retour décisif, salvateur de la part de Zen. Mais c'est pas terminé. Rizzy va vouloir revenir plein axe. Attention, l'accélération, le bon blocage de la part de Radozin. Wally. Ouais, qui va partir dans le corner. On l'a vu venir. Zen qui l'attend patiemment. Il va pouvoir peut-être aussi se positionner face à Joyo. Il a poussé cette balle un petit peu loin. Zen, malheureusement, il ne pourra pas y retourner. Alpha qui s'est fait largement battre par Rizzy. Mais il peut compter sur son coéquipier Radozin, bien positionné, qui malheureusement, pour le moment, ne peut pas véritablement partir, sortir de notre camp. C'est ce qu'on essaye de faire, mais vous le voyez, on n'a pas beaucoup de ressources. Il n'y a que Radozin qui est full boost. Alpha qui est parti au challenge. Et Radozin qui, tout de suite, subit la pression de Wally. Radozin bumpé. Et attention à cette frappe. Oh, il y a la parade sur la ligne. Radozin qui va laisser passer ce ballon. C'est la panique absolue. Zen ne peut rien faire. Non, c'est le pire but. Aïe, 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 aïe. C'est le pire but. On s'est raté. Rado qui a la pression. Rizzy le bump. Rado qui passe à côté. Bon. Allez, c'est pas grave. C'est la première, c'est la game de chauffe. J'ai pas de soucis, moi, mais c'est par moment. Ok, ouverture du score. Pardon, excusez-moi, c'est reparti, les amis. J'ai essayé de gérer tout ça. Let's go! Le kick-off goal, on est bon. Ah, c'est compliqué hein, quand t'as des trucs qui fonctionnent pas. Mais il y est pas sur YouTube. Ou si Amono peut m'envoyer le lien YouTube. Si on a le feed sur YouTube ou. C'est bon, c'est bon. Kick-off goal, c'est juste un kick-off goal, les frérots. Tranquillou. C'est bon les gars. Oh y'a, yeah, attention, il faut pas prendre le kick-off. Zen qui a réussi à accélérer. Allez, on regarde, on va rester ici. Et puis ça sera très bien pour aujourd'hui. On bouge plus. Voilà, je voulais juste tenter pendant ce match là quand même, pour voir si on pouvait pas trouver une solution. Maintenant, si juste les modos peuvent m'envoyer le YouTube, Goulven, si tu peux me l'envoyer en message privé, je changerai pour après. Sur YouTube, on aura peut-être moins de soucis. Parce que bon, les gars, le but, c'est quand même de bien voir le match. Allez, attention, Joyo, qui a pris son reset, son musty derrière, qui va face à Zen. Eh oui, Joyo, eh oui, il faut pas lui laisser la possibilité. Joyo, qui s'est joué de toute notre défense absolument tout seul. On le sait, Joyo, il a énormément de mécanique. Et quand on lui laisse la place comme ça sur le terrain, il sait s'exprimer. Ah, il a mis un truc de zinzin. Allez, les gars, on rentre dans le match.
c'est une demi-finale. Surtout qu'on a réussi à montrer des choses excellentes. Depuis quelques jours, on avait retrouvé un petit peu ce visage conquérant. Joyo qui a pas été bumpé. Voilà, Moradoza. Let's go. Le bumpé derrière sa follow. Suivez-vous. Tenez-vous par la main. Excellent tout ça. Parfait. Allez. 2-1, on repasse devant. Il va falloir faire le break, il va falloir commencer à mettre du rythme en fait, hein, les gars. À pas subir non plus le jeu des Moist, on sait qu'on peut être bien au-dessus. Zen qui rend cette balade Joyo, non, il va pouvoir tenter de pincher dans l'axe pour Radozin qui veut aller chercher la double tap. Malheureusement il ne la trouve pas. Joyo, on le laisse pas encore une fois hein, s'exprimer tout de suite. Il faut l'agresser dans les airs, venir réduire les espaces. Et Zen là il a peut-être pas mal d'espace face à Rizzi. Zen est-ce qu'il peut faire la différence? Il a pris un flip reset, il est passé. La lecture peut-être. Le retour de Joyo sur le backboard. Alpha qui va remettre dans la boîte. Mais malheureusement ça retombe directement sur Rizzi. Radozin, très bon contre. Derrière la démolition elle sera un petit peu trop lointaine. Enfin, il pourra pas aller la chercher là. Malheureusement on se fait passer. Joyo encore. Il va clipper toute la série, il va clipper contre nous. Qu'est-ce qui se passe ici, Joyo? Et oui, il y a beaucoup d'espace. Zen, il est obligé de sauter assez tôt parce que sinon, il va être exposé à un bump. Alpha sur la ligne. Bon, c'est dommage parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on essaie de mettre de la pression. Mais on ne trouve pas les démos. Et le deuxième joueur est un peu loin. Donc forcément, on laisse des espaces dans le milieu de terrain. Et du coup, bah, derrière, on se fait avoir. Alpha qui va tout seul. Voilà, let's go. Sur les individualités, on est bon. Il faut juste trouver ce timing dans le middle, les frères. C'est tout ce qu'il faut. Excellent, Alpha. Bam! Face à Rizzi. Va la chercher, cette balle. Elle est dans ta lucarne. Let's go. Allez, on repasse devant. Allez, serrez le mid. Serrez le mid. Il faut toujours un joueur. Il faut être des morts de faim. Il faut aller sur tous les ballons. Il faut challenge. Sur les espaces. Surtout avec un gars comme Joyo. Derrière, ça coûte cher. Dommage. Ici, il y avait peut-être la possibilité d'aller chercher le but du break. Zen qui va remettre. Voilà, Alpha qui vient chercher le bump. Mais regardez Rizzi. Il y a un bump, il est tout seul. Il peut flip reset, air dribble. C'est toujours ce problème de milieu de terrain. Mais bien évidemment, ils vont chauffer. Ils vont parler. Et ils vont trouver les solutions. En tout cas, on est devant pour le moment. Malheureusement, Alpha qui se fait démolir alors qu'il voulait partir sur air dribble. Voilà, Radozin qui vient chercher la démolition. Ici, on se retrouve face à Joyo. Zen qui ne passera pas malheureusement. La très bonne démolition de Joyo. Le très bon 50, pardon. Alpha qui va pouvoir repartir encore. Position de contre. Presque avantageuse hein, pour Alpha. Mais malheureusement, une fois de plus, c'est bien défendu sur la ligne. Rizzi qui replonge dans l'axe. Et Zen qui accélère le 50-50. Voilà, on ne laisse pas d'espace. Alpha qui est parti tout de suite et qui enchaîne avec le 50-50. Et derrière, vous le voyez, c'est Radozin qui vient connecter. Il a pris un premier flip reset. Malheureusement pour lui, il ne peut pas aller plus loin. Mais là, cette touche de balle, elle n'est pas bonne. Attention, ils sont ratés. Voilà, Zen. Va punir, petit. Va punir. Une touche de balle ratée. Tout de suite, on doit être là comme des morts de faim pour aller punir. Regardez Rizzi qui fait un setup magnifique. Hein. Rizzi, vrai frère. Le PayPal, tu me l'envoies en message Discord. Et t'as le virement à la fin du match. Hein. Merci en tout cas pour cette excellente touche de balle. Et Zen, il était là. Il traînait, voilà. Il attendait et on peut punir. Le but du break qui est instauré. Démolition, attention, ça pourrait créer des espaces. Radozin est dans l'axe. Le dégagement lointain pour ne pas prendre de risque. Alpha qui est parti, qui se projette aussi. Radozin qui veut replonger dans l'axe. Il attend face à Rizzi. Finalement, c'est Wally qui est allé toucher ce ballon. Le contre est favorable pour les Moist eSports. Alpha qui envoie sur le mur, qui a tenté le wall stop, mais qui ne peut pas continuer ce ballon. Radozin contré. Alpha le dégagement. Attention quand même à pas trop rendre les ballons. Il faut garder la possession. Zen qui se fait un petit peu outspeed dans ce milieu de terrain. Mais ça n'a pas trop de conséquences puisque derrière on arrive à accélérer encore. Le très bon travail d'Alpha. Ça n'amènera pas à une action de but pour le moment. Mais peut-être ici avec Zen qui décide de replonger dans l'axe. Radozin qui est premier. Il y a eu un double commit. Peut-être la possibilité d'aller chercher un tir direct. Alpha qui a voulu chercher la double tap sur le backboard. Il s'est dit que Wally allait trop s'attendre à une frappe directe. C'était pas mal tenté, mais il n'a pas été naïf, Wally, du côté des Moist. Et 49 secondes restantes. Il faut pas prendre de but maintenant. Attention, c'est pas possible. Pourquoi je dis ça? Parce que je le vois arriver. Je vois le truc de ici. Regardez, espace, personne le challenge. Hop, Alpha il s'est fait avoir. Le pinch il est parfait. Radozin il peut rien faire malheureusement. Il a vu un TGV passer devant lui. Et derrière c'est bien follow.
Réduction du score de la part des Moist, les amis. 45 secondes restantes, attention au kick-off. Attention au kick-off. Alpha, il va lever cette balle. Il veut aller chercher le bum, c'est bien, mais derrière, il faut que ça connecte. Il faut que ça suive. Il y avait Radosin qui va peut-être pouvoir y aller. Radosin, oh, oh, la réussite. Oh, c'est... Oh, ah, mais qu'est-ce que c'est que cette game de zinzin. Radosin, la frappe, le retour d'Oali, il trop touche cette balle. Non, mais la panique. Non, mais la... Jojo, oh, il est venu sur lui, il a dit, écoute-moi, je vais te faire un massage des trapèzes, tu vas adorer. Il s'est jeté sur sa voiture, frérot. Allez, peu importe, ça fait nos affaires, les amis. Faut juste pas prendre de kick-off goal et maintenant faut tenir 25 secondes. Ah, j'ai pas compris. Ah, j'ai pas compris ce qu'ils ont fait dans la défense. Ils ont complètement paniqué. Mais on prend les frérots. Après, ce qu'il faut comprendre, bah, c'est que contre une équipe un petit peu plus haut niveau, c'est des erreurs qui n'arriveront pas. Hein. Donc, il faut pas non plus se réjouir complètement à 100%. Les dernières secondes de jeu qui sont là. Zen qui va envoyer cette balle loin devant. Radosin qui suit, mais qui ne pourra pas continuer ce ballon. Et ça y est, c'est fait. La balle va toucher le sol incessamment sous peu. Même s'il y a un but des Moïs, ça n'arrivera pas. Oh, on veut encore aller mettre un but. Pourquoi pas du côté de nos joueurs. En tout cas, c'est fait. La balle touche le sol. Le retour, les amis, de notre équipe. C'est reparti. On est quasiment sur la même qualité vidéo que le clean feed. Le lecteur YouTube est meilleur. Allez, Rizzi qui va envoyer cette balle en retrait. Ouh là là, la parade sur la ligne. Ok, on a une petite frayeur, les amis. Mais ça va, tranquillou. Il faut défendre. Bon, voilà. Là, la frayeur, elle s'est confirmée. On a pris une double tap. Allez, c'est pas grave. C'est quasiment un kick-off goal. Ouais, la petite touche en retrait qui est très bien jouée. Double tap ultra rapide de Wally. Je viens de. Vous inquiétez pas. Je viens de rafraîchir, les amis. On est bien. Allez, on reste comme ça. Ouais, la qualité est bien meilleure que sur Twitch. Allez, Zen qui va y aller. Il faut faire la différence. Yes, go. Oui, j'ai dit yes, go. J'ai fait un mélange entre yes et let's go. Vous allez faire quoi? Excellent, kick-off goal, on prend. Regardez, il vient fixer Joyo, il essaie de passer en dessous. Et encore, c'est bien défendu. Un peu de réussite quand même sur la transversale qui revient dessus. Mais c'est très bien joué de la part de Zen. Ça fait un partout, les amis. Allez, voilà, on efface un kick-off goal partout. Le match est relancé. Non, pas un deuxième kick-off goal. Voilà, Radosin revient. Mets-le, le pare-choc en opposition. Mets-le, petit. Allez, cette balle qui va rester dans le milieu de terrain pour le moment. Avec Wally qui essaie de la lever pour venir passer un premier joueur. Mais pour le moment, c'est récupéré par Alpha 54 qui va essayer d'accélérer le long du terrain. La passe dans l'axe pour Radosin. Malheureusement, c'est un petit peu loin. Ce ballon qui va j'ai plus le mot. Voilà. J'allais dire transverser. Ça veut rien dire, les frères. Traverser. Le mix entre transversal et traverser. Pourquoi pas? Est-ce que j'ai le droit de m'approprier l'invention de ce mot? Les amis, je me suis couché à 7h du matin pour regarder le combat de Saint-Denis. Hein. Donc excusez-moi, aujourd'hui, il y aura peut-être quelques bégaiements. Mais on est là. On va vivre ça à fond, bien évidemment. Zen qui pousse cette balle. Il a passé un premier joueur. Derrière Alpha qui fait un très bon contrôle. Une belle première touche de balle. La différence, l'accélération avec ce ballon qui va revenir plein axe. Il y avait Rizzi sur le backboard. Et Alpha peut-être un coup à jouer. Ouh, il a tenté le petit contrôle, le petit fake. Mais attention derrière à ne pas se faire surprendre. Cette frappe, elle n'est pas cadrée. Elle est juste au-dessus. Sur la barre transversale, le turn de Joyo. Ils essayent de mettre de la pression instantanément les Moist Esports. Mais finalement, ça va repartir avec Zen qui a pris un premier fait preset. L'accélération de Zen, il a fait la différence. Alpha qui suit derrière, qui essaie de passer juste en dessous du vis-à-vis. Mais là, maintenant, le danger, il est ici dans les airs avec Joyo qui accélère. Radosin qui n'a pas le temps de revenir. Non, non, non. Ça fait 2-1. C'est dommage, Ibi et Radosin. Ah, le 50. Et c'est pas grave. Il reste du temps. Il reste encore 3 minutes 20, les amis. Wally, plein axe. Le flip reset. Bah, il y va tout seul. On met pas de pression dans l'axe. On met pas de pression. Il est tout seul, regardez. Free play freestyle. Chpouf. Très joli flip reset, soi-disant, passant. Et puis après, il a le meilleur positionnement sur la ligne. Les amis, on n'a pas le visage d'hier. On n'a pas le visage agressif d'hier. Autant contre les Oxygène. Moi, j'ai trouvé ça convaincant et Oxygène, ça joue. Voilà, on se suivait. Il n'y avait pas ces espaces dans le mid. Là, c'est un peu compliqué, mais il reste du temps. C'est un BO7, c'est un marathon. Pas de soucis, ils vont trouver des solutions. Alpha qui essaie d'accélérer. Radosin, la touche, c'est dommage, on aurait pu tenter peut-être d'aller un petit peu plus vite. Le contre est favorable. On va repartir dans le corner. Radosin qui recule, il a 12 de boost. Et finalement, c'est Alpha qui va écarter ce ballon sur le côté du terrain. Zen
qui veut repartir, c'est bien fait. Le 50 est remporté, mais derrière, il va falloir continuer. Voilà l'accélération. Rezi qui écarte ce ballon. Et Alpha, qui malheureusement est obligé de se repositionner. On l'a vu, ce rebond qu'il a mis un petit peu dans la sauce. Joyo, attention, il va tenter l'angle interdit. Il est en train de prendre confiance, Joyo. Oh, Radoza ! Oh, le rebond. Allez mon Radoza, c'est pas grave. Il s'est fait surprendre par le rebond. Mon Rado, t'es un putain de goth, ne l'oublie pas. C'était peut-être le visage le plus agressif de cette équipe sur les derniers jours. Il faut qu'il arrive à retrouver ça, il faut qu'il reprenne la confiance, Radozin. C'est pas grave, ça arrive de faire des erreurs. Tout le monde fait des erreurs sur un terrain. Et Radoza, on connaît ses qualités, donc les amis, vous allez me mettre des cœurs. Vous allez me spammer des Radoza dans le chat pour lui envoyer de la force, parce que croyez-moi, je le connais. Il s'en veut d'avoir raté cette lecture, d'avoir été surpris sur ce ballon. Et il va nous prouver qu'il peut aller nous offrir aussi la victoire. Radoza, la passe dans l'axe, en flip reset. Zen qui intercepte, qui va accélérer. C'est bien fait. Radoza, la frappe en dessous. Oui, mon Radoza, on a totale confiance en toi. Si le monde est contre Radoza, je serai contre le monde. Voilà mon petit, en dessous, en bas là, tu la mets la balle, super. Allez, 4 à 2, 1 minute 47, on y retourne. Il y a encore du temps, kick off goal, je vais hurler. C'est bon, je vais pas hurler, merci, j'avais déjà un petit peu mal à la gorge, ça m'arrange. Allez, Radoza, qui retourne dans l'axe. Rizzi, qui va essayer d'accélérer. Le 50-50 est absolument parfait de la part d'Alpha 54. Voilà, derrière la démolition. La transition, on l'a cherché. C'est pas passé pour le moment. Alpha qui démo tout le monde. Est-ce qu'il peut se turn? Malheureusement, pour le moment, ça reste un duel dans l'axe. On n'arrive pas à véritablement profiter de cette occasion. Mais c'est pas grave parce que voilà, c'est bien mieux. Là, on joue. On tente des choses. Zen qui va partir. Le flip reset face à Wally. Alpha qui suit. Mais voilà, les petits. Mais jouez au football. Jouez au football, vous savez faire. Excellent. Oh, le caca culotte, c'est fini. Vous êtes trois cracks. Montrez-nous comment on joue à Rocket League. Dès qu'on accélère, c'est finito. Voilà, ça y est, on va reprendre la confiance. C'est parti avec mon Radoza qui prend le flip reset qui accélère. La frappe de Zen, la transversale sur Dante, Alpha, mais voilà. Mais quand vous jouez à ce jeu, vous êtes injouable. Est-ce possible de jouer contre la pelota, parfois? 4 partout, on est de retour. Ceux qui nous ont enterrés. Allez, ce match, il est pas terminé, il n'est pas fini, bien évidemment. Mais en tout cas, déjà, on a montré qu'on était capable de revenir à 4 partout. Attention à cette passe. Radoza, qui va écarter le jeu. Il avait bien défendu ici. Il vient contrer ce ballon. Oali dans l'axe. Alpha qui lui met la pression. Et derrière, ça libère de l'espace pour Zen. Zen qui va partir et qui va montrer à Joyo comment est-ce qu'on fait les choses. Malheureusement, il a été bumpé. Il aura fallu 2 joueurs pour l'arrêter. Hein. Vous l'avez vu. On l'a poussé à Zen. On lui a dit « Don't touch this ball ». Mais bon, c'est pas grave. Il aura d'autres occasions. Rizzi qui est largement premier et qui, attention, va s'effacer au profit d'Oali. Sur la ligne, on était deux. On est resté solide. Et Radoza, il a du boost. Il va essayer de partir vers l'avant. Première touche de balle intéressante. Il a passé Joyo. Oh, Ali, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais Zen, il est premier. Oh là là, ce ballon. Eh, frérot, il faut redescendre au bout d'un moment. C'est un ballon ou une montgolfière, frérot? C'est une folie. Il s'est envolé. Attention, Alpha le clear. Oh, Ali, dans l'axe. C'est une balle qui peut être dangereuse. Hein. Voilà, il faut tout de suite l'intercepter. Avec Zen, le 50. Cette balle touche le sol, les amis. 4 partout. On perdait 4-1, je vous le rappelle. Maintenant, ça serait magnifique d'aller chercher cette overtime. Bah pour garder la confiance, alors ça, ce dribble, je l'ai pas compris, mais c'est pas grave. Radoza, le fake! Radoza! Voilà! Vous avez mal parlé de Radoza! Mettez du respect sur Radozinho! Oh là, il lui a fait danser le mambo italien. Allez, tous ensemble, les amis, regardez comment on danse le mambo italien. Rizzi vous a montré le mouvement, les amis. C'est très simple, regardez, c'est comme ça. Voilà! Oui, mon Radoza, déstresse-toi. Dans cette finale, les amis, demi-finale, le lapsus, j'espère qu'il sera révélateur. C'est une vision, rappelez-vous, quand je me trompe dans les points sur les overlays, j'ai souvent raison quand je les mets d'avance. Espérons que ce soit pareil avec ce lapsus. Joyo sur son backboard qui va essayer d'accélérer. Voilà, tout de suite,
On lui met une pression plein axe avec Radosin. Rizzi qui a renvoyé cette balle loin devant. Oh, ça a été touché par Alpha. Alpha qui a deux doigts. C'est une passe back. C'est une passe back de la part d'Alpha, bien évidemment. Aucun problème. Oali. Ouais, on s'est un peu bizarre. On s'est croisé dans la rotation. Oali en plus qui nous gêne. On a été un peu bizarre ce retour défensif. On a bumpé le joueur, mais c'est nous qui avons été bumpés. En tout cas, Zen, il a l'occasion d'aller chercher un duel, de bloquer ce ballon. C'est suivi de très près par Radosin. Mais attention à Joyo qui s'envole et on ne refait pas comme tout à l'heure. On ne lui laisse pas ces espaces dans le milieu de terrain qui tout de suite peuvent nous inquiéter. On va se projeter dessus. Zen, première touche de balle intéressante. Il va peut-être accélérer. En plus de ça, il y a une démolition face à Joyo, le 50-50. On a essayé de faire replonger cette balle dans l'axe. Mais malheureusement, elle est partie dans le corner. Alpha. Ouais, ce premier ballon, est-ce qu'il peut continuer? C'est excellent ce qu'il fait. Il a réussi à se projeter alors qu'il n'avait pas beaucoup de ressources. Ça frappe de Radosa! Oh l'angle! Oui, mon Radosa sourit et boit ton verre d'eau! Radosa is back in the game! Quel tir! Regardez face à Wally! Il le devance et cette balle qui vient frôler le poteau! 1-0! Oh là là, le tir! Oh, c'est ce qu'il nous fallait. Voilà, Radosa qui a eu un peu de mal à un moment. Il est en train de se remettre en confiance, c'est parfait. Parce que Radosa ne doute jamais, tu es un GOAT. Tu es un GOAT. Allez, Alpha, la passe en retrait pour Zen. Très prudent. Bien évidemment qu'il n'y va pas. Radosin qui envoie cette balle sur le côté. Malheureusement, c'est un tout petit peu trop loin. Il ne pourra pas enchaîner. Et là, Joyo, il avait de l'espace encore. Il ne faut vraiment pas lui donner. Heureusement, c'est bien projeté sur lui. Il y a une démolition. Zen, il va falloir être très bon, garder le contrôle du ballon. C'est Wally qui, ouais, lui, il contrôle sur sa ligne, mais qui a eu une petite frayeur. Pour le moment, il s'en sort bien. Le missile, là, qui est parti. La frappe lourde, sèche de la part d'Alpha. Mais il y avait du monde sur cette ligne bleue. Zen, qui s'est lui aussi interposé dans ce milieu de terrain. Sans debout du côté de Rezzy qui a peut-être piqué le nôtre, mais c'est pas grave puisqu'Alpha il a pris le mid boost, il accélère le turn de Joyo. Joyo qui est très en forme hein, quand même mécaniquement dans cette série. Ça peut être un problème, il va falloir le stopper. En tout cas pour le moment on a réussi à le faire. Alpha, le flip reset, Oali qui bloque, mais ce ballon qui va revenir pour nous entre nos mains. Zen, il a 100 de boost. Il se permet de laisser passer cette balle. Il y a une démolition, double démolition. Alpha était là, positionné. Il attendait très sagement la tentative d'Oali. Zen qui lève cette balle. Est-ce qu'on aura un joueur orange? Pas pour le moment. Normalement, Alpha peut défendre. C'est Radosin qui va se projeter sur la passe. C'est très bien fait. Zen qui pop ce ballon. Rizzi qui essaie de trouver une solution axiale avec Oali qui va peut-être y aller tout seul. Pour le moment, il a tenté de fake. Attention, ça revient sur Joyo. Ce ballon, il est dangereux. Et Radosin, l'interception juste avant le backboard. C'est parfaitement défendu. Alpha. Ah, ça va être compliqué derrière. Attention, le rebond, le ballon qui flotte un petit peu. On s'est jeté à deux, mais forcément, c'était un peu la panique sur ce move. On peut pas leur en vouloir. Là, le contrôle n'est pas bon. Et ça va permettre à Zen de renvoyer cette balle dans le corner. 50-50 qui peut être à notre avantage. Pour le moment, c'est de retour sur Rezzy qui continue, qui joue avec le mur. C'est son meilleur pote hein, à l'heure actuelle. Attention quand même, les positionnements, on est en marche arrière. On n'est pas dans le bon sens de rotation et du coup, on peut pas vraiment se projeter. Oh, il y a la transversale sortante et Radosin, merci. Les transversales qui sont avec nous. Hein. On est bénis hein, pour ça pour le moment. 50-52 Zen, ça repart. Toujours 1-0, vous le voyez, alors qu'il reste 1 minute 40. Mais on a un visage un petit peu moins agressif. Ce sont les Boys eSports qui sont en train de reprendre le contrôle. La domination territoriale. Alpha, allez avec le boost ici. Faut aller chercher la démolition. Alpha c'est très bien le travail qu'il fait. Malheureusement derrière on s'est fait un petit peu dépasser ce ballon. Il va être compliqué. Zen qui a réussi à le mettre sur le côté. La frappe de Rizzi, la passe. Ah, c'est bien joué. Y a rien à dire, c'est bien joué. On était en train de subir et on a fini par craquer. Ah, Zen il fait ce qu'il peut. Hein. La lecture elle est très compliquée. Il arrive à toucher cette balle et c'est bien joué. Hein, Rizzi avec Joyo. La frappe elle est parfaite sous la barre transversale. L'engagement. Alpha, c'est bien fait le pinch. Malheureusement, c'est un joueur bleu juste derrière qui s'est positionné. Et attention là, il y a quand même beaucoup d'espace. Zen qui pousse cette balle. Il ne faut pas retomber dans ces petits moments où on est fébrile. On l'a vu, dès qu'on accélère, dès qu'on se follow, dès qu'on vient trouver la bonne démolition, on est injouable, on peut mettre 4 buts en une minute. Mais là, Joyo, il me fait peur. Il a beaucoup d'espace. Attention, Joyo, les mécaniques. Oh là là, la barre transversale. Arrêtez. Ne le laissez pas jouer avec le ballon, cet individu. Il faut l'interdire. Rizzi qui va retenter sa chance. Radosin qui est très solide, qui ne craque pas au 50-50. Joyo, dans les airs, une nouvelle fois. Non, je vous jure, c'est le pire. Non, je déteste. Je déteste quand je vois. Oh! La shot! Mais c'est excellent! Oh super. Oh parce que... Non mais faut le dire. La chatte à Radosin.
Le retour. Dieu merci. La chatarade aux uns. Parce que là, on était en train de couler. Mais attention, ce match, il n'est pas terminé. Ouh, la passe. Oh, c'est très fort, Radosin. La frappe. Oh, mon Radosin. Ça, c'est du skill. Ça, c'est de la maîtrise, papy. Quel tir. Il lui a envoyé une passe, Alpha. Regardez ça. Non, c'est, elle est assassine, la passe. Oh, le pré-flip, le tir, il est fou. Oui, mon Radosin. Mais les gars, mais vous êtes une classe au-dessus. Mais jouez. Allez me le taquiner, ce ballon. Putain, mais dès qu'il joue, c'est une folie, les frères. Il faut pas douter. On est au-dessus, c'est clair. Voilà, la communication très bien fait. Même si cette balle elle revient dans l'axe, ça tient bien sur la ligne. Allez, 20 secondes. Voilà, il faut juste maintenir ce ballon loin de nos cages. Maintenant, c'est l'objectif. Zen qui a fait la différence. Zen qui va peut-être y aller tout seul. Finalement, c'est Alpha, l'auteur, le crochet du Brésil. Et ça passe, ça fait 4-1, les amis. Voilà. Est-ce que c'est compliqué? Oh, le crochet d'Alpha, par contre. Oh. Oh, excellent. Excellent, excellent. Allez. 9 secondes. Ce point qui va nous revenir dans quelques instants. Attention quand même à ce petit jeu en triangle, mais ils n'ont pas le temps hein, voilà, d'inscrire 3 buts. C'est pas possible. C'est tout simplement mathématiquement pas possible. Bon, les gars, il y a eu 12 bugs techniques. Posez le ballon. Ozen qui va mettre le but, non? Oh, le psycho. La langue impossible. Oh! Oh les gars, il y a une finale après. Hein. Merci. 3-1. C'est reparti. Un premier engagement. Et peut-être, les amis, une première finale dans ce split. Au bout de ces 5 minutes de temps réglementaire. Alpha, le kick of goal. Ouh. Ah, j'ai envie de danser. Non, mais c'est excellent. 2 secondes, kick of goal. Merci. Parfait. 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 Allez, il faut capitaliser là-dessus maintenant. On le sait, bon alors, ils arrivent très tôt, donc ils vont pas changer leur style de jeu véritablement les Moïse, parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup de temps. Mais voilà, c'est quand même un but à notre avantage, il faut en profiter. Plus le temps va passer, plus effectivement là, ils vont se découvrir. Oh la Zen, il bougeait pas, non, je croyais qu'il avait un bug, mais en fait, il attendait le boost tout simplement. On est un peu bloqué dans le corner, voilà Zen qui trouve des espaces, qui va essayer d'y aller tout seul. Zen, ouais, malheureusement qui peut pas aller récupérer un flip reset, mais on est toujours dans le camp des Moist. Attention ce double commit face à Joyo, Zen il faut pas se faire battre, il a réussi à maintenir cette balle. C'est quand même pas notre avantage, derrière il peut y avoir une contre-attaque, il y a eu une démolition, je crois qu'elle est favorable pour nous, oui, puisque c'est Zen qui est allé démolir Rizzi. Alpha, dans l'axe, il est parti. Un premier joueur effacé, le second le 50-50. Mais voilà, on est un petit peu loin. Malheureusement, ici, on n'a pas follow. Donc derrière, ça retombe instantanément entre les mains des Moïti Sport. Mais c'est pas grave. Zen, qu'est-ce qu'il peut nous faire ici? Le contrôle dans le corner. Hein. C'est vraiment ce qu'il a tenté de faire, de laisser passer cette balle et puis de la contrôler dans le meilleur des timings dans le corner. Le dégagement très puissant, me semble-t-il, de l'Alpha juste avant de se faire démolir. On le revoit là-bas. Attention quand même, Alpha. Oh, qui se jette, c'est cadré. C'est cadré. Oh, c'est juste à côté. Radosin qui se fait surprendre comme Joyo hein, par le rebond du ballon qui était très très puissant. On a failli punir sur une frappe lointaine que personne n'avait vu venir. Attention au bump qui s'enchaîne, qui se succède et qui pour le moment ne nous ont pas vraiment gênés dans cette séquence défensive. Zen, première balle intéressante, mais derrière, compliqué d'ajuster sa deuxième touche. Alpha qui ne pourra pas y aller aussi, chercher la démolition, mais pour le moment c'est bien Rizzi qui est tout seul dans ce milieu de terrain. Excellente intervention de la part de Radosin, ça force les Moïti Sport à repartir complètement depuis leur arrière-garde. Zen la passe dans l'axe, attention quand même Alpha à pas être trop court face à Oali. Radosinho qui n'arrive pas à bloquer cette première tentative d'Oali. C'est Zen qui va s'en charger juste derrière. Dans le corner, bonne première touche de balle. Derrière le 50-50 et Alpha qui est prêt, qui veille. Bon, malheureusement, il s'est fait un petit peu passer par Rizzi qui avait bien joué le coup. Joyo qui va tenter la frappe directe. On l'a vu venir. Attention quand même, puisque voilà, on retombe une fois de plus dans cette petite phase de pression des Moist. Après, c'est normal, hein. Il y a des moments où on doit bien subir. Peut-être le moyen d'accélérer ici. La passe en retrait de Zen. Le 50 avec Radosin qui était parti plein fer. Qui avait totale confiance en son coéquipier. Le 50 n'a pas été vraiment favorable. Maintenant, il faudrait essayer de maintenir un petit peu la pression. Installer une phase de siège dans le camp des Moist Esports. Radosin qui a peut-être la lecture ici, c'est compliqué, il va aller chercher le bump, derrière c'est suivi et ils s'en sortent in extremis les Moist Esports. Radosin qui remet dans la boîte, il ne pourra pas frapper, si, il est toujours là, il se jette sur tous les ballons, c'est ça qu'on veut voir, c'est ce visage, c'est cette agressivité et surtout là, c'est Joyo qui va falloir aller agresser.
Alpha, première touche intéressante. La seconde également. On va peut-être pouvoir construire quelque chose avec Zen, qui était sur le mur opposé, qui va accélérer dans l'axe. Il avait poussé un premier joueur, mais derrière, toujours pas de but. Et il ne reste plus que 2 minutes au compteur. La touche de balle ici. Qui c'est qui a fait cette touche de balle? Je crois que c'est Alpha. Et ça avait surpris tout le monde. Hein. On n'est pas loin quand même sur quelques tentatives de surprendre les Moist, qui sont en train de pousser de plus en plus. Holy kebab! Et la Radoza qui pousse. Voilà ce qu'on veut. 2-0. Le but du break. Voilà! C'était Rado sur la touche. D'accord. C'est Rado Zin qui nous fait un très bon match. Allez, attends, sur le kick-off goal. Non, normalement, Rado, il peut jouer les 50. Voilà, mais ça va revenir quand même. Alpha, il s'est fait bumper. Heureusement, ils n'ont pas tiré direct. Ils ont pas trust la démolition. Sinon, il aurait frappé directement. Il a tenté une espèce de double tap. Fort heureusement pour nous. Allez, attention quand même parce que... Aïe, 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 Radozin qui a tenté de faire une soft touch, hein, c'est toujours délicat. Il s'est jeté sur ce ballon, il peut rien faire. Il avait pas beaucoup de ressources. Alpha, allez. Mais voilà, tu me mets un point dessus. Ça dégage. De l'autre. Oui, mon Alpha, bien évidemment. Zen, non, c'est Alpha qui y va. On peut pas mettre le troisième, hein, parce que là, le troisième but, les amis, ça aurait été très certainement synonyme de qualification pour la finale. Et on va devoir tenir bon, subir peut-être encore un peu dans cette demi-finale. Ce sont les meilleures équipes d'Europe qui s'affrontent. Alpha le flip reset, Radozin qui se tourne. On ne veut pas prendre de risques, on ne veut pas prendre de danger. En tout cas des situations trop dangereuses alors qu'on est en train de mener de 2-0, c'est très malin. Après il faut toujours trouver bien évidemment le juste milieu, ne pas s'arrêter non plus de jouer. Mais ça ils savent très bien le faire, ce sont des joueurs d'exception. Alpha, vous avez vu qu'il va chercher les démolitions. Ce qui fait que derrière ça va être plus compliqué de suivre une passe dans l'axe du côté des Moist Esports. Jojo qui remet, Radozin sur le côté, attention Alpha qui se fait surprendre, voilà, il la frappe. Et malheureusement, ce rebond, ce 50-50, il nous met très mal. On va le revoir ici, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça pinche avec Jojo, hein, c'est un peu bizarre hein, quand même. En plus de ça, il y a Wally qui est en mode, ouais, je sais que ça va se passer. C'est pas grave. Il nous reste encore une longueur d'avance. Et 30 secondes à tenir, c'est là qu'il va falloir être solide. Les garçons, Jojo qui repart dans l'axe. On ne lui laisse pas l'occasion de briller, même si cette balle elle va être dangereuse, il faut être premier. Voilà Zen, l'accélération dans les airs. Alpha aussi derrière, qui vient prendre le 50, qui va pouvoir repartir finalement, c'est Zen. Et oui mon petit, remets-le le but du break. Il y va, regardez-le. Quelle conduite de balle juste derrière. L'excellent travail, voilà, sur ce duel. Et là il prend son temps, une touche de balle, deux touches de balle, sous la transversale. Allez c'est tout droit maintenant. Attention à ce kick-off. Si on prend pas de kick-off goal les amis, c'est final. Oh pas encore. Oh ça c'est une folie. Vitality have conceded in 6 seconds. The safest kick-off in the world. Yeah, it's great. C'est toi qui leur a dit de faire ça. C'est toi qui leur a dit de faire ça. Alors c'est pas possible. C'est pas possible les amis. 11 secondes. Attention. Ok, ça c'est pas mal. Alpha, cette balle tu la mets dans ta poche, je veux jamais la revoir. Allez, Radozin, la frappe. La double tap, mon Radozin. Oh là là, la contre-attaque. La dernière frayeur, les amis. Attention, Rizzi qui a fait un très bon setup de ballon. Ça va aller sur le backboard, il faut absolument défendre. Radozin qui a renvoyé de l'autre côté avec Alpha qui est parti. Mais Oali qui a récupéré. Attention, Zen, il a pas beaucoup de ressources. Les amis, Jojo, il va tenter d'aller tout seul. Il faut absolument le bloquer, la barre transversale. Plaquez-moi cette balle au sol, je veux plus la voir. Rizzi qui va tourner sous son GD Nemo Sport. C'est maintenant, il faut absolument accélérer, plaquer ce ballon au sol, peut-être avec Radozin. C'est fait. Final, les amis. Petite frayeur, mais ça s'appelle le spectacle. Oh, calmez-vous.